John. Big John. Every morning. Hey John, comment je peux trouver ce titre de temps? Il est venu au monde là? Non. Pas quand tu es tombé. Ah, ça je savais pas. Descendu, c'était de mon âge, ce John, je crois. John, il est. Il doit avoir 70 ans, je pense. Ah oui. En tout cas, 72. 72? Ouais, puis. Oh, là, ça a toujours arrivé. Ah ouais? On va gagner ça, hein. Ouais, il ne devait pas avoir grand-chose à part de la paix. Il y a quatre roues, là, puis les. Oh, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen and a crashing blow from a huge right hand. Ah oui, j'ai bougé pas mal à Rivière-Bouquin. À partir par là, quand que j'étais à l'hôpital Loire, là, mon père a monté avec la famille, on m'a dit. Moi, je passais droit, tu vois, ça me faisait quelque chose. Je voyais lui là, hein. Quand tu es à une place, tu es mieux au monde. Comme ça, c'était tes derniers temps quand l'accident est arrivé? Oui. Quand j'ai parti du Havre, c'était. Ah? Oui. Ça veut dire que tu es parti à peu près en 1950? En 50. Pas longtemps après que mon oncle John est mort? Oui. Je pensais que c'était en 49 qu'il était mort. Ah, ça se peut aussi. Je sais qu'il a été enseveli en 1950. Ça, c'est. Je me rappelle tout ça. Ouais. C'est mon capture qui avait fait ça. Je vois mon capture à quoi. Ça avait fait des planches. Hein. Faire le cercueil, oui. Je le vois. Ça m'a tout resté marqué. Ça faisait des débrouillards en temps. Ouais, ben c'est vrai de ça. On dit que mon idée fort porte quoi de. Il y avait une affaire que j'aime pas. C'est qu'il allait à la scène. Tu sais, c'est qu'une scène, ouais. À l'ensemble. Ouais. Puis au témoin, puis Ramiel. Ramiel était plus fragile que moi, il était petit. Puis il y a une scène, c'est pas ça. Puis ouais. Mon autre grand-père, mon flippé de l'air, il avait un ganoué, là, puis il avait chaud chauffe-eau. Ouais. Ah, mes enfants, là, montaient à la scène. Ils mettaient sur un boyard. Ça a pesé, tout tremble, ça. Je comprends, alors. Ça, c'est l'affaire, j'ai détesté à la scène. Ouais. Ah, oui. C'est dur. Ah, c'était dur dans ce temps-là. Ah, oui, attends, il s'est tranché jusqu'à 10 heures le soir. Une semaine et demie la livre, il fallait que tu achètes ton sel. C'était pas cadeau, ça. Oui, hein? Ouais. C'était pas payé. Là, mon Arthur, je me rappelle une fois encore qu'il m'a remarqué, on était sur la caille de Seine, la petite caille, en avant du haut, parce qu'à quoi, là? C'était une place pour Saint-Denis. Ouais. Mon quartier, il faisait d'avoir poche. Ah. Il arrivait là, il était chaud. Hein. Tire sur la scène, c'était vers 5-6 heures le soir. Pour être glissé. Mais... La calotte a resté sur l'eau. J'avais mis à terre. Ouais. Il était chaud? Eh bien oui, hein. Alors, on a fait des coups aux petits gens aussi. Ouais, ça l'eau. Ouais. Et t'as... Le défunt, son défunt père, Philippe, faisait de la biérourie. J'en ai dit, tu peux faire de la biérourie, puis c'était deux étages. Il dit, viens là, maintenant, on passe une coupe de putain, par le choisir. Voilà, tu payes, ta marmotte qui a été malade. Ah ouais? On s'est fait le poignet. Ça dit, ça a passé qu'il manquait d'où je vais. Ah oui, il y a eu du beau temps, quand même. Vous trouviez le temps d'avoir du fun, à ton oui, il faut. Ben oui. Le monde est heureux, hein? On était heureux pour être en forme. Puis... On n'entendait pas parler de ça dans ce temps-là, les suicides. Hein? Jamais personne ne m'a parlé de ça. Non, on pensait jamais. On pensait jamais à ça. Comme ça n'existait pas dans ce temps-là. C'est ça. Il y a trop de cochonneries, ça. Puis, ben oui. Ils ne savent plus quoi se faire de voir. Ouais. Plus qu'il y a de possibilités, puis que si on veut. C'est ça. Hein? C'est ça. Puis là, ils peuvent travailler tant qu'ils veulent, avoir de l'argent en plein pot, puis dans ce temps-là. Là. Je me rappelle, moi, ça fait, quand j'ai eu mon coup de fusil, là, l'hiver, je tendais des petits jusqu'à Manitou. Je prenais des blettes, puis des écureuils.
Okay. Et puis, hey, dans ce temps-là, j'avais envoyé ça à Tsumbe. J'avais eu un chèque de 65$. T'as normé, t'as 14 ans. Ouais, hein, j'ai dit à papa, achète-moi une paire de bottes puis une paire de culottes, il y a le restant. Paire de bottes, c'était 2-3$, puis plus là-dessus de plus. C'est un beau bonhomme. Il y avait une fierté là-dedans. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est dur, c'est dur. Ah oui, oui. Il y a une autre fois, quand ma soeur, la femme, Jim, elle est tombée malade, elle restait à Chartrec. Ouais. Puis la mère, peut-être t'es dans la chasse, puis la mère dit, hey, viens avec tes ans de ça là. Tu vas aller voir où c'est que ta soeur. J'avais jamais descendu par le chemin en plein hiver. C'est puis quand il est porté en arrière sur le genre l'hiver, il y avait ses chiens attachés. Là. Puis moi j'ai tout le temps eu peur des chiens, hein, ils arrivent dans le train en tabarnak. Ouais. Ah oui, il arrive dans à Chaudrec. 13 ans. Ça va être moi, t'es titre. Petit, je m'en servais. Amené de part de sa petite fille. Hein. Ton père était inquiet. Ben oui, il était. Quand j'ai remonté, j'ai dit à papa, allez vite sur son père naturel, il dit j'ai vite d'aller. Il m'a dit faut approcher sa vie des hôpitaux, par exemple. Ouais. Il a trouvé une affaire de sang au Saint-Pierre. Lui, son mari, Jim, il bouchait pour partir. Hein. Depuis. Les courriers, c'était pas comme ça, là. Mais il y en a beaucoup qui avaient le téléphone, par exemple, à Rivière-aux-Grand, les derniers temps. Hein? Oui, oui. Ben, il y avait sur Walter-Girard. Ouais. Puis, ouais. Ma tante Betsy avait le télégraphe, au Poulain. Ah oui? Mon histoire, mon capture. Oh, oui, oui, oui. Puis c'était dans le mois de mars. Puis Boucher a appelé ça à Boulardière et Boucher du bois, là. À Rivière-aux-Grand? Ouais. OK. Puis il dit, dans le mois de mars, là, il y avait une belle petite jouette. Et je ne sais pas, je l'ai jamais vu, mais il a été attelé deux bœufs, là, il a appelé ça, en tout cas, il a attelé double. Là. Intime de bœufs. Intime, intime. Il monte, puis il dit, je charge tout le boulot. Mais un chemin de bœufs, là, ça descend des boîtes. Mais avant d'arriver au bord, ça descend en tabarette, puis lui, il ne met pas de break en arrière. Il a coutume de mettre du bois avec une chaîne. Puis, voilà. Et il dit, mon petit garçon. Puis ça lui est en bas. Il dit, quand ça m'a marqué. Il dit, quand j'ai viré le croche, il dit, j'ai viré rien que c'est un peu. Ouais. Je t'ai dit, l'autre, t'es dans l'air. Il a envoyé le boulot, c'est pas ça. Il dit, j'ai perdu l'autre, t'es dans l'air. Je ne sais pas si c'est vrai, avec un jour qui m'a compté. Ça se peut. Ça se peut, ça se peut. Ça se peut parce que vous en arrivez de tellement toutes les sortes. Oui, oui. Ah, tabarnak. Oui. C'est tout ce qui me vient à la tête, là. Hein. C'est pareil quand il a bâti son bois. J'étais là. J'ai passé. Il y avait un chauffeur, mon flux bandelé. Il a bâti son bois là. Il y avait une chose. C'est de long. Oui, oui, oui. Ouais. Puis. Aïe, quel outil, dit qu'il fallait pas pour toucher à son outil. Un parsouet, là, tu poussais, là, tu sais, ça se faisait comme un vieux braquin. Oui, oui, oui. Ça, il n'existe plus, là, tu vois, il touche pas ça, dit garçon, il dit, c'est criminel, tu touches à ça. Son encarture? Oui, oui. Ah, ouais. Il partait, il sort, il y a un dernier, il avait un ampoule de la main. Il poussait dessus, puis ça tournait. Ah, oui, ça partait, ça. Ah, ouais. Ça a travaillé beaucoup ces vieux-là, hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Mon oncle Mandelé, je me rappelle, mais c'est comme mon grand-père à Wallan. Mon grand-père, mais c'est juste un nuage. William. Oui, oui. Ah, mais hein, mon oncle, ma tante Rochelle, je me rappelle qu'il me faudrait, ma grand-mère. Ah oui. Ah.